Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo de BMX à cause des blessures et tout ça. Mais à partir d'aujourd'hui, ça va changer parce que je reprends enfin le BMX. Ça faisait tellement longtemps, je suis vraiment content. Et puis vous êtes beaucoup à me demander des vidéos de BMX, du coup ça tombe super bien. Je vais vraiment essayer d'en faire plus. Je suis venu avec un pote, Steve. On est au skatepark de Saint-Julien, c'est en France, à la frontière avec la Suisse, donc c'était à 10 minutes de chez moi, quoi. Bonjour. Salut. Je vais essayer 180 là-bas. Le ledge là ou... Ah, ok. Ton rendu, ton impression? J'ai mal au poignet, mais ça va. Ok. Yeah! Je vais essayer de faire 2 sets là. Après demi-tour ici et bar spin fake. S'ils descendent, tu leur dis de pas descendre. J'ai trop d'idées quoi faire en BMX, mais vu que j'ai pris mon skate avec moi, je vais faire un peu de skate et puis après peut-être que j'aurai des idées. Tu vas faire quoi? Kickflip. J'ai juste envie de m'asseoir. Je vais essayer de faire un trick que j'ai jamais fait. Quoi? Bar spin 180. Enfin oui, j'ai déjà fait bar spin 180, mais pas sur une pyramide. J'ai pris la bande droit dans le pied. Ah, c'est l'autre. Ah merde là. Je passe là et je tape la roue arrière là-dessus. Vas-y. Cogno. J'essaie de faire ce qu'il a fait le gars avant. Comment il a fait? Il pose les mains, c'est tout. Non mais là genre il a pris la board, il a fait un truc. Ouais bah tu sais, tu vois. Voilà, je passe mon téléphone. Ton ressenti après la figure? J'ai peur mec. Je vais réessayer. Putain comme il a chiclé. Mais tu veux que je fasse quoi d'autre? Bah je sais pas comment faire. La garder dans les mains. Genre, mais mec, si je la prends dans les mains, je me pète les doigts. Mais c'est un malade. Là, je vais faire là dans le rond. Ouais, bonne idée, vas-y, je regarde. Du coup, on va se casser, parce qu'il fait trop nuit, il fait trop froid. Mais on va revenir sûrement après-demain. Et voilà, du coup, on est de retour au parc. Ça va passer. Le but là c'est de toucher le peg ici. Chaque fois. Attends vas-y. Ça va te motiver. Si tu le poses first try, j'arrête le BMX je crois. C'est vrai? Bon du coup lui il y arrive pas. Je lui ai dit que j'y arrivais du premier coup, donc il va me filmer et puis on va voir si j'arrive du premier coup. Vas-y, on va voir ça. J'ai même mis les gants et tout hein. Il s'est littéralement chié dessus et il l'a pas fait. Bon bah ni lui ni moi y arrivons, du coup on va faire
On va faire un essai chacun et c'est le premier qui arrive. Je crois que moi, je vais un petit peu plus haut, mais je fais pas assez ça. Toi, tu vas un petit peu plus bas, mais tu fais assez ça. Vraiment, hein. Bon, bah, c'est parti. Il y a tout le monde qui te regarde, vas-y. T'as touché? Mais t'as pas entendu? Yes! Du coup, on a réussi les deux en même temps. Et maintenant, on va faire un concours de hauteur. Sans la cheville baisée. J'arrête le concours de hauteur. Tu le fais tout seul, ton concours de merde, mec. Ah putain! Là, en descendant, là, tac. Ouais. Half cap, c'est 180, 180. Ouais. Je monte, là, je redescends, puis je me remets droit. Tu t'es fait mal? Oh ouais. Oh. Ah mec. Oh putain. Fin de session. On se casse. On a mal partout, je me suis explosé le poignet, j'ai plus de cheville. Du coup, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. C'est un peu un nouveau concept, enfin, c'est la première fois qu'on fait un truc comme ça. Du coup, voilà, si ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires et puis on en fera d'autres. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.